Ah, il y a un truc là. Excusez-moi. Casse les coudes. Je me suis mis en mode marche, hein, exprès. Faut être précis. Oh, ça va me casser les roues, ton truc-là. Allez, salut, hein. Soyez pas timide. Faites attention à vous. Les murmures ont bien des choses à nous dire. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Oh bordel. Allez, lui, il a moins de vie. Ah bah je l'ai. Ah non, c'est pas ça. Bon, ok, je l'ai. Sauf que j'ai cette truc là. On va le faire rapidos. Je passe à côté, faut pas que je le rate. Puis là, j'en vois un autre, mais Oula. Ok. Bon.
Celui-là, je l'ai. Sauver l'archiviste. Notre sort à tous. Je ne peux pas emporter plus. Ok. Faut que je lui dise de. Je. Ok. La force verra toujours ses ardeurs apaisées par la sagesse. Sauf que la clé. S'il me trouve les envahisseurs. Ouais, mais je. La force verra toujours. Je vous suis redevable, mortel. C'est Rossuir qui vous envoie, j'imagine. Je vais immédiatement le rejoindre. Sagesse. Et savoir doivent être grâce aux allez bien. Mais l'interrogatoire, est-ce que. Ne pleurez pas ce qui a été perdu. Vivez pour ce qui est encore là. Écoutez, ces quêtes-là, elles sont là. On sait qu'on peut les faire si jamais il y a besoin. Donc voilà. Mais on va retourner à la suite. Ok, on va continuer la campagne. Les quêtes secondaires, on les fera si on n'a pas d'autres choses à faire.
J'arrive à peu près à me repérer, mais parce que le terrain il est plat, donc ça va. Enfin, relativement plat. Nous avons tous un devoir à accomplir. Ouais, bon, on a les rapports de tout le monde. Chacun d'entre nous porte sa croix. Contient des richesses. Pièces d'armure. Ah, peut-être avoir des équipements de foot, de l'anima. Courageux guerrier et plus. Les éclats de domination. D'accord, ok. Combattez pour Azeroth. Ok. Du coup, Mykaninos. Keltas on l'a aidé, d'accord, aidé, ouais. Ok, on va commencer par Keltas. On va commencer par notre ancien seigneur, du coup. Donc dans le lore de mon perso, moi, il a aucun réel intérêt, hein, Keltas. Enfin, je veux dire, mon personnage n'a jamais prêté allégeance, contrairement à, par exemple, Sylvanas ou trucs comme ça. Dans mon lore de personnage, je considère que Keltas était le seigneur quand mon personnage était enfant. Donc, qu'il l'a pas vraiment connu et que... Voilà, quoi. Quand mon personnage s'est intéressé à... Vraiment, et c'est impliqué pour l'une d'argent, c'est impliqué pour... C'était déjà le régent qui était aux commandes. Nos activités dans la région nécessitent un ravitaillement constant en troupes, en vivres et en anima. C'est ce dernier point qui nous fait le plus souvent défaut, bien évidemment, mais j'ai appris à me débrouiller. Nous nous situons tout près d'une source d'anima abondante, les dévoreurs... qui fourmille dans le sanctuaire du conseil. Ce n'est pas aussi facile que d'extraire l'anima d'une âme, mais c'est tout aussi efficace quand on sait s'y prendre. C'est votre cas. Récupérer 6 unités d'anima dévorée sur les dévoreurs dans le sanctuaire de conseil. Ok. Et on récupère un bracelet ouais, qui contient 35 d'anima. Ne vous avisez pas de me juger. C'est déjà fait. Mais bon, ne vous avisez pas de me juger. Trop tard. J'ai envie de te dire trop tard, frérot. Bon. Du coup, dévoreur d'anima, ok. Ensuite, on a... Ici. Mykaninos. Parlez-moi des merveilles de votre monde. Nous avons bien trop été blessés. Tout le monde n'est pas... Requinqué après une bonne nuit de sommeil, il nous faut plus de guérisseurs. Vous prenez cet appareil et occupez-vous de nos blessés. Soignez 10 alliés des congrégations blessées dans le collège du chercheur. Vous avez une certaine valeur, mais pas autant que moi. Je t'emmerde. Ah, puis on a encore autre chose ici, apparemment. Hop, du coup. Je vous écoute sans entrave. Talnassi. Les instruments de station. C'est ça, hein? Ouais, ok. Salutations sans entrave. Auriez-vous un instant? Comme vous l'avez certainement compris, mon cartel a discrètement placé des appareils d'observation à travers tout Corsia. Cependant, leurs données ne nous... servent à rien si nous ne pouvons pas les récupérer. C'est là que vous intervenez. Les rapports de l'air au bourrasque et de l'estuaire de l'éveil devraient être prêts. Vous ne verrez pas les appareils, mais les données elles-mêmes vous apparaîtront sous la forme d'une orbe scintillante. Et n'oubliez pas de fouiller les souterrains
apportez-moi ces données et je vous offrirai une belle récompense. 5 instruments d'observation. Ok. Et on obtient des jambières qui sont pas dégueux. Qui sont pas dégueux de ouf en vrai. Et on peut même les améliorer. D'accord. Ouais, plus 29 d'endurance, de niveau level 200, ouais, ouais. Ok. Puisse vos transactions être profitables. Vos désirs sont des ordres. Oh d'accord, ok. Bon, voilà, en gros, ils ont paumé un mec et il faut trouver un mec dans le tourment. Bon. Puisse vos transactions être profitables. On a besoin de soigner. Allez, on va commencer par les soigner, par les soins, ce qui est de, je pense, de plus simple. Quoique. Ouais, bon, on va commencer par ça, hein. Ou alors on fait dans l'autre sens. On commence par les instruments d'observation et on remonte. On va faire ça. T'as 1 km. Ok. Bah écoutez, honnêtement, nouveau territoire et qui me botte bien. Pour le moment. Après, j'ai fait peu de combats, les ennemis ont énormément de vie. Faut que je pense, c'est dès que j'ai l'occasion, c'est de... d'invoquer mon marcheur. Oh. Il est où ce coffre? Ah. Bon, il y a de l'anima, il y a pas mal de choses. Hein. En vrai, on va avoir... attendez, déjà, on va faire un petit point vente. Les meilleures affaires, c'est ici. Plaisir d'avoir pu vous aider. Donc, il y a ces idoles, là. Ok. Bon. Ok, on reprend la route.
Ok, ce sont ces petits trucs-là. Mon marcheur. Si je me fais agresser, il faut que je... Attendez, là, il y a moyen de... Il y a moyen de moyenner, là, ou pas? Oui. Merde. Je l'ai. Je suis à 3 sur 5 pour le moment. Là-bas, c'est la quatrième. Tant pis, j'ai lui qui va m'emmerder, je le sens. Non, c'est bon. Là-bas. Je suis passé à côté d'un mob. Il m'a pas sniffé. J'ai eu de la chance. Nickel. Allez, on se casse. Bon, il y en avait un peu partout, hein. Je regarde un petit peu parce que c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, vas-y, je te file un coup de main parce que visiblement tu galères. Je pense qu'il faut le buter plus tard, hein, lui, hein, mais... Mais je sais pas s'il a du loot intéressant. Oh putain. Ah d'accord, ok. Je vois le genre. Ouais, bon, bah je vois le genre. Allez, salut, hein.
Bien. Oh oh. Vous n'arrêterez pas mes recherches. Je suis mort. C'est bon. Ouais, puis j'y suis en plus. Qu'est-ce que je dois faire ici? Il est blessé. Le savoir est tout autant un fardeau qu'une malédiction. Oui, mortel. Bon, je suis à la moitié. Ah, le problème, c'est qu'il y a des blessés, mais il y a des... Je vous vois. Juste un instant. Bien, on en était où? Ah putain, s'il est en vert, c'est parce que c'est un 20e lui là-bas. Ah bah, ok, d'accord. Réinitialisation des PNJ, visiblement. Allez, il me reste plus qu'un blessé là-bas et c'est réglé. Allez, let's go. On va se faire quelques dévoreurs. Et c'est réglé. Et je m'arrêterai là pour cette session de tournage. Ça fait plus de 2 heures que je joue. Je sais, d'habitude j'enchaîne 4 heures d'affilée, mais là, pour une reprise, c'est pas mal.
pas de cible. Je dois m'approcher. On va se manquer d'autres joueurs. Allez, plus qu'un, je vais me faire les deux là-bas. Je suis hors de portée. Ça a été rapide en plus. Ça a été rapide parce qu'il y avait 2-3 joueurs. Ok, nickel. Allez. Et je rentre à ma maison. Je ne prends que les bonnes questions. J'exige rien de moins que la perfection. Est-ce un péché de lutter pour survivre ? Non, il luttait pas pour survivre. Hein. Il luttait pour le pouvoir. Vos désirs sont des ordres. Alors, et ça, c'est direct que je le mets. Bien, bien, bien. Quoi qu'il arrive, nous ferons front. Je me souviens de vous. Votre venue corrobore une prophétie ancestrale sans entrave, une prophétie selon laquelle vos alliés et vous-même êtes les sauveurs que nous attendions. Peut-être me suis-je montré trop sévère envers votre amie négociante. Après tout, c'est grâce à elle que vous êtes arrivé jusqu'à nous. Veuillez faire part de notre gratitude à Venari et dites-lui bien que nous répondront volontiers à ces questions, si nombreuses soient-elles. Parlez à Venari du répit du gardien à Corsia. Portez-vous bien. Bah, ça va, il y a 100 mètres. C'est vrai qu'il y avait cette grotte là, j'y suis pas rentré. Oh, ça va, il n'y a rien dedans. Tous les mystères seront révélés. Les téléporteurs du même là. Le téléporteur du flot d'Anima permet de voyager entre le répit du gardien de Corsia et le refuge de Venari dans l'antre. Oh, génial. N'allez pas attirer l'œil du geôlier. Personne ne vous a suivi, j'espère. Il nous faut un peu d'espace, mais à l'écart des regards indiscrets. Bien. À présent, servez-vous de votre anima pour activer l'appareil. Oh, ça a fonctionné. Comme prévu, bien sûr.
Oups, j'ai oublié mon sac dans cette grotte puante. Rapportez-le-moi et nous pourrons partir. Il y a beaucoup à aborder. Ouais, c'est clairement des reliques volées qu'on est en train de trimballer là. Overstuffed bag, ouais, tu m'étonnes. Oh! C'est-à-dire qu'on pourrait. On pourrait quasiment voler jusqu'à Oribos plus tard, quoi. Mais bon. Le fly, il est long par contre. Wow. J'ai pas compris là. Putain, j'ai dû rater un truc. C'est bugué. On recommence. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant sans entrave? Découvrez d'autres. Il nous faut un peu d'espace, mais à l'écart des regards indiscrets. Bien. À présent, servez-vous de votre anima pour activer l'appareil. Oh, ça a fonctionné. Comme prévu, bien sûr. Oups, j'ai oublié mon sac dans cette grotte puante. Faites vite, rapportez-le-moi. Il y a beaucoup à partir. Il y a un world boss qui apparaît apparemment. Ok, maintenant c'est validé. Ah, vous voilà. Mon sac n'est pas trop lourd, j'espère. Dépêchez, on n'a pas toute la journée.
affaire à faire ou me faire perdre mon temps. Dans l'antre, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. Des séquenceurs sonores et une cape éthérée. Intéressant, conservez-les précieusement, même les jeux normands. Quelque chose me dit qu'ils vous seront utiles. Et. Ah, et. Il y a quelque chose pour moi aussi, semble-t-il, sauf erreur de ma part. Ce qui est fort rare, cela ressemble à un mécanisme de projection pratique. Quant à ceci, on dirait une sorte de dispositif de transport. Nous ferons bien de le tester sur le champ. Et quand je dis nous, c'est à vous que je pense. Tester le dispositif de transport que Venari a sorti de son sac. On récupère d'anima pour ça. Pas le temps de bavarder sans entrave. Venez, nous avons fort à faire. Ah, cher partenaire, voyons combien de temps vous tiendrez. Augmentation de transmission utilisée. Il y a bien eu transfert, hein? Ouais. Ah, c'est bon, j'ai chute amortie pendant encore une seconde. Faut que ça tombe maintenant, par contre. Alors, ouais. J'ai bricolé l'appareil pour modifier la destination. Super. Attends, je dois recommencer. Tous les mystères seront révélés. Ok. Quel heureux hasard que vous ayez été transféré en un lieu où j'ai certains intérêts. Installez donc ces séquenceurs sonores que je vous ai confiés et je tenterai d'établir un signal opérationnel dans un endroit aussi périlleux là. Plus grande discrétion et de mise. Heureusement, votre cape éthérée vous dissimule les regards. Placez les séquenceurs sonores. Cherchez des endroits discrets près de créatures intéressantes, mais pas juste sous leur nez non plus. Attends, je pige pas là. Ah, ok. Ah d'accord, je peux carrément faire ça. C'est cheaté.
Ah, je vous reçois, mais le signal est très faible. Trouvez un meilleur emplacement. Donc faut que je me méfie des yeux, enfin des yeux. C'est mieux, mais j'ai encore de la friture. Essayez ailleurs, moins en hauteur. C'est totalement la cape d'invisibilité de Harry Potter. Ça alors, quel éclat! Ce sont des plumes? Personne ne vous a suivi, j'espère. J'ai vu maintes ailes d'ébène dans l'antre, mais encore jamais aussi beau spécimen doré. Maintenant que des séquences sonores sont pleinement opérationnels, nous allons enfin pouvoir découvrir l'origine de ces plumes. Remonter la piste sans entrave, il y a là un mystère à élucider et sans doute des profits à la clé. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que l'or a beaucoup de valeur là d'où vous venez, n'est-ce pas? Suivez le sillage des plumes dorées pour le... Découvrez d'autres secrets, alors... D'accord, ce sont les plumes dorées en fait. Je pensais que c'était des trucs à looter, mais non. Enfin, j'ai toujours su qu'elle m'enverrait de l'aide. Je sers Odin. Puisse le regard d'Odin vous donner la force. Ok. Pas un bruit, nous ne devons surtout pas attirer l'attention. Bon nombre de mes sœurs sont... d'ores et déjà perdu, et bientôt ce sera mon tour de périr pour alimenter le rituel impie de cette sorcière. Faites-moi sortir de cette cage et je vous conduirai à tous deux en lieu sûr. Le gardien d'Orin doit être informé de cette infâme trahison. C'est l'entrelige qui est Run machin qui détient le sceau nécessaire pour me libérer. Vous la trouverez dans la salle voisine où elle se délecte de ce triste spectacle. Okay. Puissiez-vous trouver la gloire sur le champ de bataille. Ah, attends. Avant toute chose. Oh bah je peux me mettre là. Ici ça devrait aller. Hop.
Et puis ben c'est parti. On va commencer par Ah oui, et puis par contre là où je suis, je vois le... Comment ? Il y a l'œil du... Il y a l'œil du geôlier. Êtes-vous digne du regard d'Odin ? Prouvez votre valeur. Je sers Odin. Il m'a dit. Puissiez-vous. Pensiez vraiment pouvoir échapper à mon regard ? Quelle naïveté ! Vous êtes si aveugle aux faiblesses d'Odin. Odin ne le permettra pas. Et moi non plus. Tu te révoltes pour rien. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Le rituel est presque achevé. Anhilde rejoindra bientôt ses sœurs. Va donc porter la nouvelle à ton maître. Petit volatile. Puisse-t-il s'étouffer de rage?